Putain, j'ai envie d'écouter les rats maintenant. Bon, là, il y a quand même quelques gardes. Ah! Pourquoi est-ce qu'ils vont toujours dans les ruelles discrètes après? Je suis ok, je vais faire un putain de truc. Putain, interrogatoire. Je vous jure, je galère plus sur les combats au corps à corps, hein, je trouve chaud. Putain. En plus, il m'enlève 2 points de vie, quoi, par droite. Le mec fait super mal. Oh. Mais je vais parler. Je ne tiens pas à mourir pour lui. Son argent n'en vaut pas la peine. C'est 100 balles de plus, c'est 719 logiquement, donc c'est pas choquant. Rencontrer le prince des marchands. Ha ! Je te souhaite bonne chance. Il ne quitte jamais ses appartements. Quoi ? Aurait-il peur ? Non, c'est la haine qui le dévore. Il se hait presque autant que ceux qu'il prétend servir. S'il se terre chez lui, c'est qu'il a honte de ce qu'il est. Il finira bien par se montrer. On sait, il a honte de ce qu'il est. Il prend la parole. Il a un ton en plus ou quoi ? Lors des fêtes qu'il donne. C'est sa façon à lui de renforcer son sentiment cool, monsieur. D'appartenance. Et d'afficher son mépris. Mais que cherche-t-il à cacher exactement? Tu verras bien. Laisse-moi partir. Te laisser partir pour que tu lui divulgues mon plan? Je ne dirai rien. Oui, tu as raison. C'est vrai qu'il dira pas rien là. Ok. Alors, je crois qu'on est à 2 enquêtes sur 3. Ah non, séquence d'assassinat. J'en ai pas une petite dernière là dans le coin? Bon, attendez, je vais juste aller prendre le point d'observation là. Pour avoir un petit indice en plus au cas où. Vous pouvez également voilà, poursuivre vos enquêtes. Je me dis, voilà, c'est un gros assassinat, ça sera des trucs un peu plus vénères, donc bon. Putain. Je pense que pour le 100%, il va falloir faire toutes les enquêtes. Ouais, je trouve pas ça choquant, Freetex. Après, ça a monté un peu pour ceux qui vont faire des jolis overclocking boats, mais bon. Mais c'est tellement plus simple, les gars. Pas le droit d'être ici. Va-t'en. Vous m'avez changé la vie, là. Juste en maintenant espace. Oh, c'est beau, hein. Je suis ému, hein. Non ! Putain. Que Dieu punisse celui qui a fait ça. Où se cache-t-il ? Dans ton cul. Ok. C'est pour ça que j'attends vraiment les procos, parce que les 3090 vont être top, moi il manque plus que... NON ! Je suis mort. Quand l'animus vous indique qu'un garde informé vous observe. Vous en prie, j'ai besoin d'aide ! C'est nous, les enfants de Dieu ! Quittez les lieux. Oui, vous me faites mal. J'aime pas où je suis. Ok. La mort typique des AC. Il en fallait une, hein. Classique chez. Oh, ta gueule! Ta gueule, ta gueule! Ta gueule! Oh, du pognon! Merci Brian McCarthy pour le Prime! Merci beaucoup à toi et bienvenue à Team Cravate, 465ème sub, Road to 500. Merci beaucoup à toi pour le Prime et bienvenue. Welcome. Non, 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 non. Grimpe, maintien espace. Voilà. Nickel. Yes. Merci à tous pour les primes. J'ai jamais eu autant de primes sur la chaîne, c'est assez ouf. C'est rigolo. J'ai déjà eu autant de subs, hein, mais jamais autant de primes. Depuis New World, les gens font éclater leurs primes. Truc de dingue. Ce qui est bien, je dis, ça rapporte plus qu'un T1, donc je suis loin de moi l'idée de me plaindre. Plutôt cool. Alors. Ah, parce que je voulais monter plus haut. Tu m'as convaincu avec New World. Bah écoute, merci. Merci pour les 3 balles. J'aime bien, 3 balles, c'est toujours sympa 3 balles. Un petit clic et 3 balles, c'est fou non? Regardez, avec juste un clic ce que vous pouvez faire. C'est parce que New World c'est Amazon. C'est du troll ça, hein, rassure-moi. Non mais c'est vrai en plus, hein, je blague pas mon Brian, je suis très sincère. Regarde, tu cliques, 3 balles, magique. Ah ok, capa, merci. J'ai eu peur. Oh putain, il est loin le truc d'assassinat. Mais y a pas d'autre quête en vrai, je suis un peu triste. Pas d'autre enquête, on va retourner au truc de... Enfin, le truc d'assassinat, le truc de... Wouhou! Non, 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 non!
Bon, je switcherai après, après cette mission. Les porteurs font tomber leur trop de sous. Après, il fait un peu chaud. Mais je continue encore un peu de live. J'ai vraiment envie de live plus longtemps. On passera un peu plus tôt sur LoL, je pense. On fera comme d'hab, hein, win or lose et into flex. Ouais. Bon, on va aller par là. J'ai eu le point d'observation, direction. Direction. En fait, je vais mettre la clim, ça me fait bien. Je reviens. Putain, là, une vraie clim murale et tout dans sa maison, ça c'est bien ça. Croyez-moi, ça c'est bien ça. Secouvert citoyen, j'ai pas le temps. Écoute, hein, il est capable de se mettre dans la merde. Hein. Regarde un peu où tu vas. Ils sèment la terreur dans leur sillage. Ah, je sens le petit air frais qui arrive. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors... Ok... Je propose des prix réduits sur toutes les marchandises. Sale voleur, tu ne trouveras pas moins cher ailleurs. J'aime bien « sale voleur, tu ne trouveras pas moins cher ailleurs ». C'était deux phrases qui n'avaient rien à voir, mais l'une à côté de l'autre, je trouve ça marrant. Voilà. Ok, truc des assassins, c'est présent. Ah bah, y a une échelle, ça va au pire. Hein. Pourquoi se faire chier à galérer à grimper, hein, au pire une petite échelle et hop. Fin des problèmes. Non mais... Oh putain. Descends. Aïe. Que la paix soit avec toi, Altaï. Tu as besoin de mes services ? J'ai fait ce qu'on m'a demandé, ma cible n'a plus de secret pour moi. Bien, fais-moi part de ce que tu as appris. Abul Nukud est totalement corrompu, tous les habitants de cette ville le méprisent. Il semble avoir détourné de l'argent destiné au peuple de Damas pour l'utiliser à ses propres fins. Ah oui. Il se prépare à donner une grande fête où il pourra étaler ses richesses. Ses gardes et ses serviteurs risquent d'être très occupés. Ils ne me remarqueront pas. Très impressionnant, mon ami. Certains pensaient que tu n'y arriverais pas, mais moi, j'étais sûr que tu réussirais. Et tu réussis de fort belle manière. Dispose de cet endroit comme tu l'entends avant de poursuivre ta mission. Avance rapide vers une séquence plus récente. En même temps, c'est vrai que si on matait Altea faire une sieste, ce serait pas passionnant, quoi. Éliminer le prince des marchands quand il restera à les invités lors de la fête, ça marche. Ah bah, c'est parti! Allez, au revoir le prince des marchands. Abul Nukul. Il va tâter de malam. Est-ce qu'on peut faire une exécution et qu'on soit pas repéré dans le jeu? Genre, est-ce que je peux. J'ai un moment où je pourrais le tuer et j'aurais pas toute sa tripotée de garde à buter derrière? Parce que je pense que je suis juste nul pour la discrétion. Pourtant, dans Odyssée, j'arrivais à faire des trucs cool. Hein. Après, t'avais plus d'outils à ta disposition quand même pour être discret, quoi. Il y a quand même plus d'outils. Là, c'est vrai que c'est assez basique, quoi, côté gameplay. Pas mal, hein, c'est un constat. En même temps, c'était le premier et tout. Il a 25 et le jeu a 13 ans, t'as tout ça, quoi, mais. Ah, ta sœur. Saute. Allez. Saute. Voilà. Grimpe. Non, je vais pas grimper. Bon. Grimpe. Voilà. Excusez-moi. C'est Nina qui m'a enfilé le corona via l'antenne 5G. Hein. Salut. Au revoir. Ok. Finir par se blesser et qu'il ne compte pas sur moi pour l'aider. Ah ouais, mais alors comment on rentre déjà dans le palais, hein? Ah putain, évidemment. Je a trouvé la force de défendre notre illustre civilisation. D'accord, je m'en vais. Pourquoi au moment où je grimpe le pylône, il y a une patrouille d'enculé en dessous, quoi? Quel enfer. Et c'est Lewina, comment ça se passe pour toi? Comment ça se passe? Je peux grimper peut-être ceci? Non. Non plus. Ouais, vraiment chacune des portes qui est bien. Peut-être en faisant le tour comme ça. Merde, désolé.
Ah, je suis désolé. Oh, désolé. Commettre un larcin sous mes yeux, tu vas le payer. C'est rien, on t'enlève Kyren, ça va et toi? Mais écoute, moi ça va pas mal. Ça va plutôt bien, je m'éclate sur AC. Fait plaisir, ça fait un petit moment que je voulais les commencer. J'avoue que je suis assez content. Oh putain de merde. Ça va pas mal du tout, je suis bien, je suis avec Bibou, Bibou fait le mignon. Je tue des gens dans AC, j'essaie d'être discret, c'est pas, ça c'est pas évident, mais bon on fait avec. Vous êtes sérieux là les gars? Ah putain. Ah ouais, ils tournent les patrouilles en fait. Ah l'enfer! Ah c'est bon. Ça se casse. Ok. Ouais, la partie discrétion est pas la plus réussie, hein, on va pas se mentir. C'est pas ma. C'est pas pour l'instant ce que je réussis le mieux, l'aspect discrétion. Il y a eu une erreur dans la séquence de chargement? Et je fais quoi maintenant s'il y a une erreur? Il se passe quoi? Je suis baisé? C'est un bug du jeu? Ah. Oh putain. Bienvenue à tous. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Allez, buvez, mangez et profitez de tous les plaisirs que je vous offre. Salut Gameralt. Hello. Welcome. Nous avons tout le temps. Welcome on. Welcome to my stream, etc. etc. Alors, la fête est-elle à votre goût? Bien, bien. C'est un plaisir que de vous voir vous amuser. Car nous vivons des heures sombres, mes amis. Profitons de tout cela tant que nous le pouvons. La guerre menace de tous nous consumer. Eh oui. Jalahadin se bat pour... It's a French stream, man. Sorry. Et vous êtes là pour lui apporter votre soutien. C'est grâce à votre générosité que vous continuez de livrer bataille. Levons nos verres, mes amis. Je bois votre santé. Vous, sans qui je n'occuperai pas aujourd'hui la place qui est la mienne. Puisse votre dévouement être récompensé. Quelle sollicitude! Cela m'étonne de votre part. Vous, qui êtes d'habitude si prompt à me juger et si malveillant. Oh, inutile de feindre l'ignorance. Me prenez-vous pour un idiot? Pensez-vous que je n'entends pas ce qu'on dit derrière mon dos? Eh bien, sachez que tout cela, je ne l'oublierai pas. Mais ce n'est pas la raison de votre présence. Il va tous les tuer. Non! Je voulais vous parler de cette guerre et du rôle. Vous allez jouer. Ah non. Vous n'hésitez pas à dépenser votre argent sans ignorer que vous condamnez ainsi des milliers d'hommes. Mais pourquoi, nous combattons? Vous ne le savez pas. Vous croyez que c'est pour protéger la Terre Sainte ou pour nous protéger du mal? Vous vous mentez à vous-même. Non. Ces souffrances sont nées de la peur et de la haine. Ce qui vous gêne, c'est qu'il soit différent de vous. Que je sois différent de vous. Compassion, pitié, tolérance. Ces mots ne signifient rien pour vous. Pas plus que pour ces infidèles qui ravagent nos terres en quête d'or. Mais il a peur d'être méchant, en fait. J'en ai assez de tout cela. J'ai choisi d'embrasser une plus noble cause, d'œuvrer pour l'avènement d'un nouveau monde où tous les hommes vivront côte à côte, en paix. Malheureusement, ce monde se fera sans vous. Il les a tous empoisonnés. Ah ouais!
Oh, c'est bonne ambiance. Hein. Comment on grimpe? Par ici? Ok. Putain, comment je grimpe? Ok. Ok. Je vais te pourchasser. Ah, il est plus là, boule nous coule. Jean-Mimi, t'es où? Je sais plus trop si j'ai envie de le tuer, moi. J'ai l'impression que plus on tue des mecs, moins ils ont l'air d'être des enculés au final. Oh, la musique, elle est ouf. Putain, il court vite, hein. Ah, merde, c'est qu'il y a espace. C'est vrai que je peux courir avec espace. Attends, j'ai oublié. Mais il va super vite, le gros. Excusez-moi. Sois sans crainte. Leurs mots ne heurteront plus personne. Pourquoi tu fais ça? Tu as volé ceux que tu prétends défendre. Tu as destiné cet argent à un usage inconnu. Je veux savoir où il est passé et à quoi il sert. Regarde-moi. Ma simple apparence est un affront au peuple que je gouverne. Du reste, ces nobles âmes auraient fini étouffées par tant de haine. Alors tu agis par vengeance? Non, pas par vengeance. Ma conscience m'a guidé. Comment soutenir ceux qui combattent pour le même Dieu qui a créé l'abomination que je suis? Si tu ne sers pas Saladin, qui sers-tu alors? Tu ne devrais pas tarder à le découvrir. Mais peut-être le sais-tu déjà. Pourquoi te cacher? De toute façon, je stave là pour assez à la Dada, donc bonne nuit à toi. Propose ta mère. Différent de toi. Si tu prends la vie de ces hommes, c'est que tu as acquis la conviction que ces morts amélioreront le sort de ceux qui restent. Un mal pour un bien, en quelque sorte. Nous sommes pareils. Non, je ne suis pas comme toi. Ah, mais je vois dans tes yeux que tu en doutes. Personne ne nous arrêtera. Nous aurons notre nouveau monde. Je sais plus si on tue des gens tuent des méchants. Moi, je suis perdu. J'ai l'impression que c'est très ouais. Que c'est un peu tous des enculés. Oh la vache, tellement. Attends, il est pas mort lui. Après ce que je lui ai mis quand il était au sol. Ah, quand même. Okay. On va y arriver. Pas mal, on est bien. Ah, c'est la discrétion. Franchement, lui, je vois pas comment je pourrais le tuer discrètement. On était prisonniers d'une fête où il a empoisonné tout le monde. Vous avez réussi toi? Genre quand tu l'as tué, personne t'a vu quand t'as tué le mec là, boule nous coule. Oh regarde. Si tout le monde est mort, on est discret hein. Automatiquement hein. Ta gueule. Chut, t'as rien vu. Oh, c'était un civil. Merde. Ah merde, c'était un civil le mec, je pensais comme il était en surbrillance. Je pensais que les gens en surbrillance c'était les soldats, vous voyez. Ils étaient tous morts avant. Ah oui d'accord, ok, voilà, super. Ah, je sais pas c'était qui alors le mec en surbrillance là. Parce que c'est pas la première fois que je le crois, genre le PNJ.
Oh merde, je suis désolé, monsieur. J'ai tué un pauvre monsieur qui marchait dans la rue qui avait rien demandé à personne. Oh non, putain, il y a l'autre connasse. Salut, Corrupt, ça vient. Mais c'est ça, c'était un gars qui était gentil, tu vois, qui avait rien fait de mal à... Bonjour. Putain, quel enfer. Ah bon? Oh putain, il y en a encore 36 000. Je crois qu'ils ont pas, aimé que j'ai tué leur régent, hein, bizarrement. C'est la merde là. Never surrender. Pas de pitié. Never fucking surrender. Wouh. On est pas mal. J'ai eu vent de tes exploits, mon cher Altaïr. Le règne de terreur d'Abul Nukud a pris fin. Je suis heureux de l'entendre. Il les a tués. Tous, hommes et femmes. Empoisonnés. C'est l'arme d'un lâche. Il a condamné leurs actes et dit qu'il mettrait fin à la guerre. Étrange. Même si le prince des marchands était connu pour ses... excentricités, il faut peut-être y voir là un signe de sa folie. Peut-être. Tu ne sembles pas convaincu. Parle-en à Al-Mualim. Il t'expliquera peut-être. Oui. Nous verrons bien ce qu'il en pense. Bah, en fait, je crois que j'ai l'impression qu'il est en train de se rendre compte qu'il tue des gens qui sont peut-être pas tant des enculés que ça, en fait. C'est quoi les barres noires, là? C'est le truc que j'ai dû rater, non, je pense. Ouais, vas-y. Ah, c'est Mastia, j'ai compris, Mastia, moi. Les cadavres peuvent vous permettre de faire diversion. Approche, Altaïr. J'ai à te parler. Je vous écoute. J'ai été informé de ta réussite. Tu as toute ma gratitude ainsi que celle de tout le royaume. En libérant ces cités de l'emprise de ces tyrans, tu as œuvré pour la paix, cela ne fait aucun doute. Vous en êtes vraiment sûr? L'immoralité de ceux qui gouvernent finit toujours par gagner le peuple. En chassant la corruption de ces villes, tu as purifié le cœur et l'âme de leurs habitants. Mes ennemis m'ont dit le contraire. Que veux-tu dire? Les confessions de ceux que j'ai tués étaient assez inhabituelles. Ils ne regrettaient rien. Même à l'heure de mourir, ils semblaient sûrs de leur réussite. Ils ne me l'ont pas avoué, mais... il existe un lien entre ces hommes. J'en suis persuadé. Il y a une grande différence, Altaïr, entre la vérité qu'on voudrait nous faire croire et celle que nous percevons. La plupart des gens ne font pas la distinction. C'est la voie de la facilité. Le Hashishiyun, lui... ne se laisse pas abuser. Il s'interroge. Mais alors, quel est le lien qui unit ces hommes? Ah, un vrai Hashishiyun se doit de faire taire ses pensées en s'en remettant à son maître. Car il ne peut y avoir de paix sans ordre. Bah tiens. Et d'ordre sans autorité. J'ai du mal à vous suivre, maître. Vous me demandez d'être lucide, puis ensuite de ne plus l'être. Que dois-je faire? La réponse t'apparaîtra quand tu n'auras plus à poser cette question. Ce n'est pas pour me faire la leçon que vous m'avez fait venir. Très bien. Tu gravis un échelon et tu récupères un objet. Deux seigneurs sont encore en vie. Va, il est temps de mettre fin à leur règne.
J'ai hâte de voir la fin quand même, hein. On va savoir ce qu'il en est niveau histoire. Vivement lundi. Hein. Retrouver équilibre, esquiver, expertise épée, dommage. Ok, donc maintenant je fais encore plus mal à l'épée. Hein. Ok, ok. Y a moyen de sauvegarder ou ça se garde automatiquement? Je pense qu'elle se garde automatiquement, non? Ouais, je pense. Ouais, ouais. Save auto, ouais. Comment on quitte?